voilà, voilà, allez, voilà, vas-y, Yeah.
d'abord. Tout c'est toi.
Pendant le premier mandat du président Roch-Marc-Christian Kabore, l'on a dénombré officiellement plus de 1300 morts et plus de 1200 déplacés internes. Il est actuel 1 200 000 déplacés internes. Il est à craindre que le second mandat ne soit pire que le premier. Car depuis le début de cette année, nous sommes déjà à plus de 500 morts. L'opposition politique et les populations du Burkina s'inclinent sur la mémoire de l'ensemble des victimes du terrorisme. Pour le repos de leurs âmes, pour le repos des âmes de nos martyrs, je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Un bruit fort pour nos martyrs, pour nos martyrs, pour nos martyrs. Mesdames et messieurs, Roch-Marc-Christian Kabore a juré de protéger la vie de tous les Burkinabés et de défendre l'intégrité du territoire national. Qu'a-t-il fait de son serment? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait de ce serment? Pour commander, il faut savoir s'entourer de femmes et d'hommes compétents. Et la compétence se mesure au résultat. Or, le résultat de la lutte contre le terrorisme est catastrophique. 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 C'est pourquoi nous avons entrepris avec vous cette marche qui se veut silencieuse et pacifique. Cette marche est pour rendre hommage à nos martyrs et implorer la miséricorde du Très-Haut pour que leurs âmes reposent en paix. Nous condamnons tout acte de violence, mesdames, messieurs. Nous condamnons tout acte de violence ou de provocation tendant à détourner notre mouvement de son objectif principal, qui est de demander au gouvernement de prendre des mesures fortes pour ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso. Car camarades, sans paix et sécurité, aucune action de développement n'est envisageable. Sans paix ni sécurité, tout espoir pour le déplacé interne de retrouver leur village, leur domicile, leur champ serait illusoire. Sans paix ni sécurité, aucune amélioration des conditions de vie des travailleurs ne serait possible. Mesdames, Messieurs, à la lumière des changements intervenus dans la soirée du mercredi 30 juin 2021, avec le remaniement du gouvernement, l'opposition politique prend acte de la décision du chef de l'État d'assumer lui-même les fonctions de ministre de la Défense. Elle salue la nomination de militaires pour l'assister dans ses fonctions. Pour rappel, le chef de l'État a déjà occupé ses fonctions par le passé avec des résultats négatifs. Aussi, l'opposition politique espère-t-elle que cette fois-ci, il pourra obtenir de meilleurs résultats pour le bonheur de nos grandes populations. C'est tout le bien que nous puissions lui souhaiter. Pour l'heure, l'opposition réitère sa disponibilité pour discuter de toutes les questions relatives à la sécurité de notre pays et appelle donc à l'organisation urgente des assises nationales sur la sécurité. Mais d'ores et déjà, au regard des conséquences socio-économiques dramatiques du terrorisme, l'opposition politique
réclame dans l'urgence la dotation conséquente aux forces des forces de défense et de sécurité en matériel adéquat, notamment des aéronefs capables d'opérer une vision aérienne nocturne. Demande la mise en place d'un dispositif pour une réponse rapide aux appels à l'aide des VLP et des populations en cas d'urgence. C'est aussi le lieu de s'interroger sur le type d'accord militaire ou de défense signé ou à signer entre notre pays et les forces étrangères afin de leur permettre, dans une coopération de confiance, de mettre leur logistique de surveillance à la disposition de notre armée. 3. Préconise la mise en place d'un fonds spécial pour une aide d'urgence aux déplacés internes. L'opérationnalisation effective des mesures d'accompagnement en faveur des veuves et des orphelins des forces de défense de sécurité tombés au front. 5. Demande une meilleure prise en charge des soldats au front par le PNR, voire d'un montant forfaitaire sur les émoluments des membres du gouvernement, des directeurs de société et des membres du Parlement. Exhorte le gouvernement à instruire les instances de régulation de la communication de mettre fin aux menaces envers les médias pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la collecte et le traitement de l'information. Invite le chef de l'État à prendre des mesures exceptionnelles pour faire appel à toute personne dûment qualifiée pour renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité sans discrimination aucune, surtout l'appartenance politique. Oui, rappelle que le coût de la vie devient de plus en plus cher, insupportable. Aussi demande-t-elle au gouvernement de sursoir à toute augmentation des prix de première nécessité pour ne pas dégarnir davantage le panier de la ménagère. 9. Entreprendre un investissement massif pour réduire le nombre de populations vivant dans l'extrême pauvreté, estimée aujourd'hui à près de 9 millions d'habitants au Burkina Faso. 10. Enfin, redynamiser notre diplomatie afin de tirer profit des réseaux de renseignement à l'international. Population de Burkina Faso, vaillants soldats de nos forces de défense et de sécurité, braves travailleurs du Burkina Faso, tout corps confondu, tous ensemble pour la sauvegarde de la patrie. 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 Que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le Burkina Faso. Que Dieu protège le Burkina Faso. Je vous remercie. Nous descendons dans une marche calme, pacifique, sans brutalité. Nous allons battre le pavé pour que Kofian sache que vous êtes avec nous. Vous êtes avec nos positions. Et dans les 45 provinces, ça sera la même chose. Je vous remercie. Merci, 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 merci. Спасибо.
République. En avant pour la marche pacifique, vous attendez que nous soyons devant et vous venez calmement derrière sans vous bousculer, n'est-ce pas? Il faut leur montrer que nous sommes une opposition républicaine, que nous ne voulons pas de brutalité, que nous sommes disciplinés, mais surtout que nous sommes déterminés. Voilà, c'est un moment ça. Voilà, on a parlé.